Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Je suis en 1.8 et j'ai oublié de mettre le pack de ressources, alors on y retourne. Non mais, Sugar Pack, voilà comme ça au moins. Ah! Voilà, je me disais aussi que ça pétait pas tellement les yeux, maintenant c'est chose faite, on se pète les yeux. Bon, alors, d'abord on va commencer par un truc tout simple que je n'ai point su faire la dernière fois, c'est le chêne noir. Le chêne noir qui se fait donc en mettant 4 pouces. Mais comme je suis un petit peu cucu, j'ai complètement oublié. Et je m'en suis souvenu après avoir tourné la vidéo, en fait. Et j'ai Panthère. Panthère, je ne sais plus ton pseudo sur YouTube, qui me l'a rappelé. Voilà. En plus, qui me l'a. Si je ne savais pas, voilà, elle me l'a dit. Mais je savais. Mais oh là là, il y a des fois, qu'est-ce qu'on peut être cucu, bon sang. Et voilà. Le bois, il est beau. T'as vu? T'as des pattes de zèbre. Et puis à l'intérieur, t'as la moelle. Oh, mais non! Oh! T'as dit gâteau, c'est beau! Ouais. Oh. Ah, c'est parce qu'avec Lucie, l'autre jour, nous avons étudié un animal étrange, l'okapi, qui a des pattes de zèbre, un corps de cheval ou de vache, et une tête de girafe. Étrange, tous ces animaux. L'okapi, l'ornithorynque. Et puis, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Eh ben, la hyène aussi. C'est quand même des animaux un petit peu étranges. Donc, on s'en fout. Dans le précédent épisode, nous avions vu. Tadam! Les outils. Voilà, dont l'arc, la flèche, les épées, les outils, les armes, excusez-moi, et tout ce qui est rangé dans la catégorie armes. Et là, nous allons aller voir tout ce qui est rangé dans la catégorie outils. Tadam! Donc là, nous avons là tout ce qui est en fer, pelle, pioche, hache, en fer. Là, alors moi je trouve ça beau, mais je trouve un petit peu ça Attends, comment dire? Je ne sais pas. Mais bon, on est dans un pack de textures quand même, de ressources, pardon, où tout est un petit peu du domaine de l'amusement. Donc voilà. Là, je trouve que ça ressemble à des jouets. Voilà. Là, ici, en bois, je trouve que c'est un petit peu plus. Attends, ça me gonfle un peu tout ce que j'ai sur moi là. Un petit peu plus réaliste. Voilà. Ça fait plus vrai, ça fait un peu moins jouet. Mais bon, voilà. C'est après. Là, en fer, là, voilà. En fer. En pierre, pardon. Excusez-moi. En pierre, ben voilà. Ça, là, on reconnaît bien la pierre. Et je trouve que c'est pas mal. Après en diamant, bah, c'est bleu. Donc en diamant, bah, bleu, il n'y a rien d'étonnant. Ça colle, ça colle. Ensuite en or, alors en or, je trouve ça beau. Je sais, vous allez dire, oui, mais Orphéa, toi, t'aimes bien l'or et tout ça. Non, c'est pas l'or que j'aime, c'est le doré. Tout ce qui est doré, ça. J'adore la couleur dorée, tout ce qui a des paillettes, tout ce qui brille. Voilà, ça me plaît bien. Ensuite, ici nous avons la canne à pêche. D'ailleurs, nous allons en prendre une. Les cisailles, elles sont super belles, les cisailles. Regarde ça. Tu les mets dans ta main. Hop. On voit rien parce que. Voilà. Voilà. Cisailles, elles sont vraiment, vraiment belles. Là, ça ressemble vraiment à des outils comme utilisent les bergers, par exemple. Franchement, génial. Bon ben la boussole, la montre, la laisse, j'ai encore pas compris. Pourquoi elle est comme ça, la laisse? Ça me plaît pas. Alors que regardez l'étiquette comme elle est jolie. Elle est jaune avec des bords roses. Après on a du vert. Du vert.
du bleu, du vert un peu, oui, si, turquoise et tout ça, c'est beau. Pourquoi la laisse, elle est noire, grise? Je sais pas. Peut-être pour qu'on la repère dans un monde où tout est très coloré. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà pour ce qui est des outils. Et là, j'ai fait un truc. On va à la pêche. Ah oui, on m'a demandé de montrer les lits. Je les avais déjà montrés, mais effectivement, peut-être que j'avais pas pris le temps de les montrer correctement. Et voilà, là, ça c'est un lit que je trouve très beau et qui me fait penser à un jeu où on pose des blocs qui descendent. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, si c'est de la pub ou pas, donc je le dis pas. Puis j'ai pas envie de leur faire de la pub, hein. Le meilleur jeu, c'est Minecraft de toute façon. Salut les poulpes! Et il vient nous dire coucou! Oh, le tout noir, comment que cela se fait? Il n'est pas assez grand ton bassin, peut-être. Ok. Alors, l'eau verte, en même temps, ça peut être un petit peu étonnant. Et puis finalement, ça ne l'est pas trop. Ça permet de bien distinguer tout. Tu peux te pousser ta panse, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est étrange, mais voilà quoi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas choquant plus que ça. Même si bon, j'aurais préféré, pourquoi pas, quelque chose de turquoise peut-être. Ça aurait fait mieux que vert, vert comme ça là. Ça fait vraiment vert, vert menthe. Voilà. Ah, nous allons essayer de pêcher. Tiens, avant, on va se débarrasser d'une paire de trucs qu'on a sur nous qui servent à rien. Voilà. Et poulpe, je vais vous remontrer avec, tu vas voir. On va voir si on arrive à pêcher parce que l'eau est quand même très habitée. On va voir si ça marche. Allez, on y va. Parce qu'on n'a pas vu encore tout ce qui se mange là-dedans. Mais ça serait marrant. Et du coup. Parce que j'ai déjà essayé avant, on voit pas quand les poissons arrivent parce qu'il y a sans arrêt des mouvements dans l'eau. Donc on se rend pas trop bien compte. Bon, en même temps, voilà, j'y suis allé trop vite, donc j'ai loupé. Mais j'ai pêché un poulpe. En même temps, peut-être que les créateurs de ce pack de ressources sont comme moi. La pêche, ils en ont un petit peu rien à faire. Donc, de base, être dans l'eau devant, là, en attendant le poisson. Non, puis en ce moment, j'ai vraiment pas de bol avec la pêche. Dimanche, dans ma vidéo sur le serveur de notre communauté, j'étais dans la zone aérienne qui normalement est une zone où on pêche, mais comme des fous dingues. Voilà. Alors là, j'ai pêché un poisson. Oh, qu'il mignon! Hop là. Ouais, moi, tout ce qui est produit de la mer, je consomme pas, ça m'intéresse pas trop. J'ai eu un aquarium avec des poissons chez moi, mais j'ai trouvé ça lassant et puis je trouve ça dommage d'avoir des pauvres petites bêtes qui sont enfermées, que ce soit des oiseaux ou des poissons, ça m'a pas plu. Pardon les poulpes, mais il y a des gens qui pêchent là, il y a des gens qui pêchent. Je pêche le poulpe, je pêche. Dommage que Lucie, elle est pas avec moi, là, parce que ça l'aurait fait marrer. C'est les poulpes qu'on fait ce bruit-là, ou pas? Elle va faire oui, et puis on est toujours en train de pêcher. De pêcher rien. Ah merde, j'ai pêché un poulpe. Là, j'ai pêché rien. Avec la couleur de l'eau, je trouve qu'on se rend pas trop compte. Et puis, comme il y a énormément de mouvements dans la flotte, c'est pas facile, facile.
Bonjour, je pêche. Heureusement que ce n'est pas pour ma survie, sinon je serais décédée. Il y a les monstres qui apparaissent petit à petit, je sais pas si vous voyez au loin là. Il y a une araignée qui est arrivée là-bas, il y a une paire de monstres encore. Et là, je pêche. Oh, rien, ça m'énerve. Oh là là, ça me saoule. Bonjour. J'ai pêché des monstres. Oh, j'ai pêché une araignée. Viens ici, la sorcière, que je te pêche. Oh, je t'ai pêché. Bon. On va aller un petit peu à la lumière. On sera un peu mieux que là. Ouais. Surtout que je me trompe de côté. Bon, après, on va pas faire 2000 épisodes là-dessus quand même. Je pense qu'après, ça va être un petit peu lassant. Inintéressant et puis un peu lourdingue. Ben les coffres vus comme ça faisait pas la même chose. C'est marrant. Donc bon, ça va pas être top top. On va aller voir tout ce qui est mangeaille. Ici, voilà, on a les images, hein. Donc là, on a une pomme, la soupe de champignons, du pain, côtelette de porc cru, côtelette de porc cuite. C'est la même chose, la couleur diffère un peu. Pomme dorée. Pomme dorée. Alors, poisson cru, c'est ce qu'on vient de pêcher. Saumon cru. Saumon. Poisson clown, pardon. Poisson globe. Poisson cuit. Saumon cuit. Gâteau cuit. Hop. Attends, un truc qui me perturbe là. Non, c'est bon. Donc, gâteau. Les gâteaux, on va les poser. Des cookies. Oh la vache, ils sont beaux les cookies. Pastèque. Bœuf. Steak. Bœuf. Bœuf cru. Steak. Ça, c'est poulet. Poulet. Chair putréfiée. Bah oui, c'est petit biscuit. Œil d'araignée, ça, on avait vu. Carotte. Carotte. Sérieux. Carotte, quoi. Pomme de terre cuite, pomme de terre empoisonnée, ouais, tarte à la citrouille, lapin cru, lapin cuit, ragoût de lapin et mouton, mouton cru, mouton cuit. Nous avons fini et nous allons regarder la carotte comme ça. Ouh, qu'il est beau! Et l'autre, c'est le gâteau. Gâteau, nous allons le poser. Excusez-moi. Gâteau, nous allons le poser. On va le poser à côté des portes. Ah ouais. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que pour ce pack de ressources, on a quand même fait le tour, il me semble. Hein. J'ai rien dû oublier de vous montrer, je pense pas. Pourquoi c'est cassé là? Hein, le golem, on a tout montré? Ouais, tu penses? Il est beau le golem, hein, quand même. Moi, il me fait rire. Je le trouve marrant. Il me fonce dessus, la vache. Alors, on m'a dit que les PNJ c'était les plus moches du monde. Et moi je les trouve amusants, malgré tout, très amusants. Donc voilà, c'est pas dérangeant plus que ça. Ils sont rigolos. Moi ils me font penser au pack de ressources, au pack de textures de Bob l'éponge. Et voilà, moi ils m'ont fait rire. Oh et puis. C'est un pack de ressources complètement cinglé. Bravo à celles et ceux qui ont fait ça. Parce que il est vraiment bien fait. Il est poussé jusqu'au bout. Et je trouve ça génial. Voilà. Bon. Alors, c'était sans doute le dernier pack de ressources que je faisais avec mon ordinateur qui rame énormément. Pour l'instant, j'ai testé
Deux packs de ressources en 1.8, j'ai fait que ça. Nous reviendrons sur cette map avec d'autres packs de ressources qui seront beaucoup plus lourds que celui-là et mieux tolérés par mon ordinateur. Parce que là, on m'a demandé de faire des packs de ressources. Je n'ai pas pu pour la simple et bonne raison que mon ordinateur crache. C'est trop lourd. Et donc, on va voir. Normalement, je devrais avoir un nouvel ordinateur d'ici peu. C'est pas encore fait, mais ça va peut-être se faire. On verra bien, ça dépendra de plein de choses. Voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous voulez, c'est vache, je trouve que là, c'est un petit. Ben voilà ce qui se passe avec mon ordinateur. C'est que ce pack de ressources n'est pas lourd, mais on chie quand même à mort, quoi. Voilà. C'est un petit peu déstabilisant, c'est un petit peu navrant, mais bon, tant pis, pour l'instant, on s'en contente, hein, de toute façon, je peux pas faire autrement, donc c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, si vous avez des blocs ou des choses que je n'ai pas montrées et que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Et puis, je reviendrai ici avec plaisir pour vous montrer les choses que vous n'avez pas, que j'ai oublié de montrer ou que je n'ai pas bien montré, comme là le lit par exemple, on m'avait dit que je l'avais pas montré assez bien. Donc, eh ben, je le montre, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et puis, chercher un dernier village de PNJ, ben, pas de chance, hein. Mais le désert n'est-il pas magnifique? Il est magnifique. Je dis ça parce que si Lucie elle le regarde, ça va faire rire. Magnifique, c'est dans Mr. Bean qui dit ça. Bon, ben, il n'y aura pas d'autres villages de PNJ. Alors là, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah oui, un truc que je voulais faire avant. De toute façon, il va falloir que je me tue pour retourner au village. C'est tout traversé comme ça pour voir avec le pack de ressources ce que ça donne. Donc le sable qui est bien orangé, le grès qui est beau. On va avoir. Ah oui! On a à peu près 50 de profondeur de grès. J'ai fait une aventure sur une map plane dans le désert et quand faut que tu creuses tout ça, ça fait chier. Ça c'est quoi? Oh, la diorite, ouais, c'est beau. Ah ben, trop tard, j'ai chu. C'était quoi ça? C'était la bedrock? Oh, c'était la bedrock. Au revoir la map, au revoir. Je reviendrai bientôt. Je descends plus. Donc j'ai loupé mon mourage là. Ah, même ça on refait à l'animal, tu vois. Ah! Surpris. Non, je dis n'importe quoi. Je suis des fois un petit peu lourdingue. Je me fatigue moi-même. Bon, allez, c'est pas grave. Oh, c'est moi. Mais non, capture d'écran, je m'en fous. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je me suis trompée de bouton. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!